On va maintenant parler science et environnement. Cet été, l'actualité avec la mort suspecte, souvenez-vous d'un ostréiculteur avec des plages fermées au public. Cette actualité nous a rappelé la dangerosité des fameuses et tristement célèbres algues vertes qui envahissent nos côtes. C'est difficile le mercredi matin et notamment les côtes de Bretagne. Laurence Beauvillard s'est donc rendue à Roscoff où une équipe de scientifiques travaille sur le sujet et a fait une découverte qui pourrait finalement les rendre beaucoup plus sympathiques, ces fameuses algues vertes. En ce moment, quand on parle oxygène ou poumon de la planète, on pense aux forêts. Pourtant, 50% de notre oxygène provient des océans. Et ce sont principalement les algues et le phytoplancton qui produisent cet oxygène. Mais parfois, principalement sur nos côtes, ces algues, comme cette salade verte, prolifèrent de trop, c'est dû aux activités humaines. Et cette prolifération, eh bien, devient toxique. Ici, à la station biologique de Roscoff, des chercheurs ont étudié cette salade et ont trouvé des molécules très intéressantes qui pourraient être très utiles. Le grand public connaît surtout les ulves pour leur caractère nuisible quand il y a une prolifération, les fameuses marées vertes. Et jusqu'à présent, ces algues n'étaient pas utilisées. On travaille dans notre équipe sur ces algues. On s'intéresse à un type de molécule particulier de ces algues qui sont les sucres. L'ulvane, c'est un collier de perles qui fait 100 000 perles. Et pour pouvoir travailler cette matière, on a besoin d'outils comme un artisan. Et ces outils, ce sont ces enzymes, ces petits ciseaux moléculaires. Avec des collègues allemands, nous avons découvert une bactérie marine du milieu naturel qui se nourrit des ulves, dégrade ces ulves pour s'en nourrir. Et nous, ce que nous avons fait, c'est identifier tous les petits ciseaux de cette bactérie qui permettent de découper l'ulvane en fragments d'intérêt. Donc c'est des enzymes, et avant nos travaux, ce n'était pas connu, et donc nous avons découvert tout le catalogue de ciseaux qui permettent d'accéder à ces molécules actives. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Donc ceci, en fait, c'est une représentation en 3D, donc dans l'espace, donc d'un ciseau moléculaire particulier qui va reconnaître donc un sucre donc qui lui est spécifique. Et une fois que ce ciseau moléculaire aura reconnu donc son sucre, il sera coupé. Donc ça, ce sont les fameux ciseaux moléculaires. C'est ça. Et donc le ciseau moléculaire va couper à l'endroit qu'elle reconnaît pour les séparer et donc réaliser sa réaction. Et c'est ça, du coup, que vous pouvez isoler, vous, enfin, oui, c'est ça. Votre c'est découverte, ça. C'est l'ensemble. C'est l'intégralité, c'est les deux. Le sucre donc, qui est en complexe et le ciseau moléculaire aussi. Donc les fragments qu'on obtient grâce à nos petits ciseaux moléculaires sont des molécules actives qui sont applicables dans différents domaines, cosmétiques, pharmacie, agriculture. Car ce sont des molécules qui peuvent stimuler les défenses naturelles des plantes, une sorte de vaccin des plantes, et donc à terme, diminuer l'utilisation de pesticides ou d'autres fongicides dans l'agriculture. Ces molécules issues des algues intéressent également des industriels et des éleveurs de porcs et de poulets, car elles permettraient de stimuler le système immunitaire des animaux et de diminuer ainsi l'utilisation des antibiotiques.